Ah, vas-y, à l'école, la maîtresse, elle t'a appris quoi, Lou? Vas-y. À l'école, la maîtresse, elle m'a appris comment on fait les bébés dans la chambre parentale. Et tu es en quelle classe? CM2. Et tu as quel âge? 9 ans. Alors, vas-y, raconte. 10 ans. Et en fait, d'abord, l'homme et la femme, ils se mettent tout nus. Ils vont dans la chambre, ils ferment la porte pour avoir leur intimité. Et le papa, il entre son pénis dans le vagin de la maman. Et en fait, il rentre et il ressort. Ça fait flop, flop. Flop, flop, flop. La maman, elle a une petite peau dans le vagin. Et dès que cette petite peau est déchirée par le pénis qui entre dans le vagin, et ben, y a une sorte de liquide transparent qui se crée. Et ça, du coup, tout devient mouillé. Mais ça ne l'est pas vraiment comme ça. Le pénis, il peut entrer mieux dans la nénette. Ça glisse comme ça, ça fait fou. Et ça, c'est la maîtresse qui t'a appris ça. Oui, elle vous a montré les gestes aussi. Non. Les gestes aussi. Non. Elle a fait les bruits. Et elle a dit que la maîtresse, en fait, nous, on est le pénis, et c'est comme dans un toboggan aquatique, il y a l'eau dessus. Et en fait, s'il n'y a pas d'eau, bah, tu ne glisses pas, alors que s'il y a de l'eau, tu glisses. C'est la maîtresse, elle nous a dit ça. Et elle a dit quoi d'autre? Elle a dit que, vers quand on aura 14-15 ans, ça, on voudra le faire, parce que maintenant, par la loi, vers 15 ans, on a le droit de le faire. À 15 ans, on a le droit de le faire. Mais ta maîtresse, c'est une vieille, une jeune, c'est quoi? Elle est très jeune. En fait, elle a 40 ans. Et c'est une putata, ta maîtresse. C'est une putata. Et pour faire les bébés, il y a deux grosses bouboules qui fabriquent des ovules. Et il y a aussi les cosses s'appellent les garçons. Ils ont deux bouboules au dedans. Il y a les spermatozoïdes à côté de leur fenêtre. Dès 8 ans, elle a dit que dès 8 ans, les garçons, quand ils se réveillent, en fait, il y a un garçon, la maîtresse, elle a dit, mais vous savez, les garçons, il y a eu un changement dans votre corps. Et vous pouvez me dire, c'est quoi? Quelque chose que vous faites tous les matins. Et tout le monde a dit se laver, se brosser les dents, prendre le petit-déj. Moi, j'ai dit fermer la braguette. Elle a dit, ça a un rapport avec la braguette. Et là, il y a un garçon qui lève et il fait, mon pénis, il est tout droit et tout dur quand je me réveille. Mais quand je dis tout droit, c'est genre, il est levé. Et l'actrice, elle a dit, oui, bravo, c'est ça. Ah, c'est déglingosse, ta maîtresse. Attends, elle a pas fait... Qui veut venir dessiner un pénis au tableau? Mais c'est une déglingue. Elle a vraiment dit qu'il veut venir dessiner un pénis au tableau. Et tous les garçons, ils ont levé la main, nous les filles, on est comme ça. Bon, bah, on lève pas la main. Hein. Et il y a un garçon, du coup, celui qui a dit, moi, mon pénis, il est tout droit quand je me réveille. Il est venu dessiner au tableau. Un zizi. Elle faire l'amour ou coucher. Alors... Alors du coup, en fait, elle nous a aussi dit, alors vous savez, quand vous allez devoir faire ça, vous allez vous devoir de rappeler de ma voix, parce que ça va vous arriver dans quelques années.